Bon, et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le Tarn avec Célian et on va pêcher du silure, si ça veut bien. Bah j'espère. Bon, objectif du jour. Silure dans les fosses qui sont un peu plus bas, après on va longer les bordures, faire les premiers cassants. On va quand même essayer de faire 2-3 checheux en plus des vis qu'on a là pour être serein pour la suite. Puis après peut-être un peu de track shadow dans les herbiers un peu plus bas. Allez, ça promet, moi j'espère que je vais réussir à prendre un silure. J'ai un moulinet à fumer. Allez, c'est parti. Te décroche pas. Voilà. Sur le dos, le vif, l'hameçon. Ouais. En tout cas, la touche, c'est gommage. Hein. Oui. Embarqué, donc ils sont pas si loin que ça, je pense. Oh, il a pris. Oh, il a lâché quoi. Oh, j'ai pris un carton là. Contact avant port. Là, il avait pris. Hein. Sans poisson. Non. Enfin, le. Je sais pas trop. J'ai l'adrénaline à fond là. Je remonte ou je laisse encore. Je sens le poids, mais je sais pas trop s'il y a un poisson encore au bout ou pas. Je pense, mais je suis pas sûr. En tout cas, il s'est fait cartonner là. Vraiment, vraiment. En tout cas, j'ai pris un carton. Ouais, il est toujours. Poisson, je l'ai vu arriver à l'écho. Voilà, je l'ai mon silure. Wouhou. Voilà, allez, c'est parti. Je l'ai vu monter à l'écho, j'ai fait lui, il va prendre. Et bim, il m'a cartouché. Bon alors, avec cette canne, il est tout petit quoi. Elle est pas bien cette canne pour ça, regarde. Ouais, j'ai mon record, je pense. J'ai pas un record très gros, mais il doit être autour d'un 30. Je l'ai vu monter à l'écho. Ah ouais? Ah, je te jure, j'avais mon vif à l'écho. On le voit monter. Et boum! Ah, une boîte! Ça va être magique. C'est beau ça! Oh, j'ai les miens. Je vais l'enfiler. Je tente qu'il se fatigue un peu. Il s'est entouré le con là. Il s'est entouré. Ah ouais, une belle touche. Il s'est entouré comme pas possible. Allez, démêle-toi. Là où je suis déjà repéré? Ouais. 5 mètres à la fin de la fosse. Allez. Ouais, il s'est entouré, ouais. Allez, détourne-toi. Oh, il va se détourer. Il y a le vif encore? Je pense pas.
C'est détouré, ça y est. Allez, viens par là. Petit pépère. C'est bon ça. Ouais. Il fait plaisir lui. Fréquent, il a pas fait semblant. Hein. Yes. Un joli minou. Un joli minou. Je sais même pas s'il est pelé un peu. Ça peut s'inquiéter, mais. Hein? Je sais même pas s'il est pelé un peu. Non, je pense pas. Il m'a duré quand même. Mais... Hop, attends, j'attrape ma pince. Parce qu'il l'a pris, il a coffré. Hein. Il a au niveau de l'estomac le truc. Putain. Elle est courte ma pince pour ça. Ah. Putain, la tête plombée, elle est dans l'estomac quoi. Et on voit ça. Voilà. Ma monture elle est là. Bah nickel, tout le monde le fait. Ouais. Je range un peu la pince. Voilà. Yes. On le voit. Yes, bah c'est cool. Ouais, ça fait plaisir lui. Toi tu fais bien plaisir mon petit, tu fais combien? 20? Ouais, on a trop dur faire un truc de là. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Ouais, on va. Allez mon petit, merci et au revoir. Wouhou! Oh, t'as fait une belle vidéo en plus. Nickel. Ah, je suis refait. Ah bah tu m'étonnes. Je l'ai acheté. Ouais, magique. À monter à l'écho. Pouf. Allez hop. Et ferrage direct, t'as coffré quoi. J'ai même pas pu le laisser partir, il avait bandé la canne complet, j'ai ferré, t'as vu là où il l'avait coffré. À l'estomac. Énorme. Là je suis à l'éco-sondeur du coup, je vois ma ligne de vif, mon vif au-dessus du fond. Je passe à peu près 80 cm, 1 mètre au-dessus du fond pour essayer de voir s'il n'y a pas un poisson qui monte. J'essaie de garder mon vif à l'écho. Comme ça, ça me permet de voir s'il y a un poisson qui décolle du fond, qui vient voir mon vif. Tout à l'heure c'est comme ça que ça a donné. En tout cas j'ai au moins l'indication de savoir si les poissons montent ou pas. Ah, poisson qui monte, pendu. Je t'avais dit qu'il montait. Il était en train de monter et je l'ai piqué direct. Ah ouais, ils y sont. Hein. Il est pas gros. Hein. Pour les coups de queue qu'il m'a mis sur le fil. Mais il est monté direct, quoi. Voilà, à l'écho, je sais pas si vous le voyez, pendant qu'il me fout la branlée, il est monté du fond et il a pris direct. Ah, il est peut-être un poil plus gros. Oh non, je pense pas. Ça doit être du même calibre. Ouais, même calibre. Bon, en tout cas, on a trouvé où ils étaient, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Même calibre. Putain, il a pas mis long feu, lui. Il a pas encore tout donné, c'est pas possible. Ah si. T'as pas donné grand chose toi. Alors les petits gants. On aura mis un petit moment à les trouver quoi. Mais là tu vois on les a vraiment trouvés. C'est pas les gros poissons par contre. Non. Ah quoi que j'en ai vu un au fond. Par exemple là il y en a un. Enfin il y en avait un au fond là pendant le combat. C'était pas mon poisson ça. Hein. C'était pas le petit truc qui est là. Bon, il a fini là, lui. Ouais. Allez. Fais quoi? Un 10? Ouais, je crois que c'est pas là.
ça fait de la touche et du contact. Ah ouais. Pareil, toi tu dois faire à la touche. Ah pareil hein. Bah, en même temps il me fout de ses cartouches. Il est petit. Après, ce qu'il y a dans le vide. Il est petit pour passer le bras lui. Ah peut-être un peu. Voilà. Ah il était piqué par les deux lui. Où est-ce que je le mets ça? Dans l'eau? Bah ouais. Pourquoi je le montrerai pas lui? Voilà. Et joli petit glane. Hein? T'avais faim toi hein? Gourmand on va. Allez repart. Il m'a éclaboussé de partout. Yes. Nickel. On les a trouvés. Bon, allez, tiens. Bah, je vais chercher du cheval, hein. C'est... Mais j'ai fait deux poissons, cherche, vas-y. Comme tu veux. Hein. Ponce la zone. Hein. Je t'ai dit, hein, moi je tu me hein. Passes un leurre à. Tiens, passe ça. Ouais. Poisson. Allons, loupé. Je sais pas. Ouais. Oh putain, la touche. Il m'a remonté le vif. Ouais. J'ai attendu qu'il redescende et j'ai ferré mais dans le vide. Bon ben voilà, fin de cette petite journée de pêche. Bon bilan. Bilan difficile. Difficile. Quelques touches au début. Ouais. Mais au final on a trouvé les poissons en sortie de fosse, juste là. Puis quoi, deux poissons, toi tu fais deux poissons. Deux poissons, ouais. T'en loupes un, j'ai un contact aussi que je loupe. Puis c'est tout. Ouais, compliqué comme j'en ai, mais bon, pas capot. Pour une première, moi c'est pas souvent que je pêche le silure, j'ai pêché deux fois le silure. Deux fois je fais deux poissons, donc on reste dans les dans ce qu'on fait d'habitude. Et bon, pas des gros, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait du poisson, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram de Célian. Je vous le mettrai en description. Et je vous l'affiche. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.